Moi, c'est Emma, je fais partie de l'équipe des salles de l'Opéra et je tenais à vous envoyer plein de bonnes ondes et de courage pour affronter ce confinement. Effectivement, c'est pas simple pour tout le monde, mais restez soudés, continuez à prendre soin de vos proches, de vos familles, malgré la distance, et puis aussi prenez soin de vous. Voilà. Coucou à tous, donc je m'appelle Valérie, je fais partie de l'équipe de salles de l'Opéra. Tout va bien jusqu'à présent, j'espère que vous aussi, je vous souhaite plein de courage. J'espère vraiment très vite vous retrouver parce que vous me manquez énormément. Voilà, je vous love, à très bientôt. Hey, salut tout le monde, comment ça va? Alors moi je m'appelle Théo, je fais aussi partie de l'équipe de salles de l'Opéra. J'espère que vous allez tous très bien en ce temps un peu compliqué. Pour ma part, ça va. Bon, ça, le seul problème, c'est que il n'y a plus de coiffeur. Et du coup, je vous souhaite un maximum de courage pour la suite. On est unis, on est ensemble, on va passer cette épreuve. Oui, voilà la Billy Mougeau 2, en restant enfermée dans son appartement. Bonjour, c'est Catherine de l'équipe de salle. Eh bien, portez-vous bien, gardons tous le moral. Et à bientôt. Tchuss. Bonjour, c'est Louis de l'équipe de salle de l'Opéra de Limoges. J'espère que tout se passe bien pour vous dans cette période un peu étrange. J'espère que vous êtes en bonne santé. Il ne faut pas oublier que ce mois-ci, on est confiné, mais c'est aussi le printemps et le changement d'heure. Donc après, ça sera l'été. Et donc j'essaie de préparer l'été en tricotant un poncho pour les soirées barbecue à la plage. Voilà, ça occupe bien. Salut à tous, moi c'est Margot, je fais également partie de l'équipe de salle de l'Opéra. J'espère que tout le monde va bien, surtout prenez soin de vous, restez chez vous, et puis j'espère qu'on pourra se retrouver très vite. Salut! Bonjour à tous, moi je suis Marie, je fais partie de l'équipe des salles, et du coup je vous fais un petit coucou de ma campagne. Voilà, donc je vous souhaite bon courage à tous, et puis en espérant vous revoir très bientôt à l'Opéra. Je vais faire une lecture de mon texte que j'ai écrit lors d'une production Opéra Kids. La scène vous respire un arôme de différentes explorations. J'appellerai les âmes chagrinées à venir voir cette scène poétique, lyrique, dramatique. Demeurant en première loge, la scène imaginaire ou réelle me dirigeait avec entrain, m'inventait avec rage. Où je sortirai des nuages. Cette scène, la scène d'une poésie, d'un plateau, d'une présence sonore. Cette scène musicale, d'une valse fantasque. Avec ardeur, je fuyais ou par ailleurs, je m'inventais. Cette scène de différentes explorations orchestrées d'émotions. Messieurs, mesdames, avec ou sans vos applaudissements, le rideau s'ouvre et se ferme.